been so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Cette semaine, on va tester le patron Prague de chez Orageuse Pattern. Alors Orageuse Pattern, ça fait un petit moment qu'on les suit sur Instagram. Et on adore leur compte Instagram, on adore leur site internet, on adore leurs photos, on adore toute l'image de marque qu'ils ont créée autour de Orageuse. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de tester un patron de chez eux. On avait cette soie de chez Pretty Mercery et on avait envie de tester un patron de chez Orageuse. Et du coup, on a décidé de faire tout ça dans cette vidéo. On profite aussi de cette vidéo pour faire un concours. Tous les détails du concours seront à la fin de la vidéo. Donc si jamais vous avez envie d'y participer, on vous conseille de regarder la vidéo en entier. Avant de continuer dans cette vidéo, je voudrais remercier Maud, ma petite sœur chérie qui a posé dans l'intro de cette vidéo. Et du coup, on va pouvoir commencer à parler de choses sérieuses. Donc, premièrement, le tissu, le choix du tissu. Orageuse conseille d'utiliser un tissu chaîne et trame souple. Donc quelque chose de fluide, comme un coton, de la soie, comme on a utilisé. De la viscose, du tencel ou un crêpe, de la popeline, etc. etc. Donc c'est des tissus qui sont faciles à coudre et il y en a qui sont moins faciles à coudre. La soie, moi je trouve que c'est pas forcément facile à coudre. Parce que ça bouge et que c'est vivant comme matière. Et du coup on l'a amidonné. C'est une astuce qu'on a déjà donnée dans une vidéo précédente. On vous laissera un lien juste ici. Pour pouvoir coudre les tissus un petit peu casse-cou facilement, j'ai commencé par faire les petits boutons recouverts. Donc on a acheté ça à Mondial Tissu. Je crois que la marque c'était Boin. Ça coûte 5€ les 8 je crois. Et du coup c'était la première fois que je faisais ça. On découpe un petit gabarit, on le met à l'intérieur d'un petit outil. C'était vraiment super facile à faire et je trouve ça super joli. Ça va trop bien avec la blouse. Une fois que les boutons recouvert était fait et que j'ai découpé les pièces du patron, j'ai commencé à faire des tests sur la soie avec la machine à coudre. Donc si vous nous suivez sur Instagram, vous avez sans doute vu ce live où j'ai pété un petit peu les plans parce que ma couture était trop moche. En fait les deux fils se croisaient pas à l'intérieur du tissu mais au dessus, du coup ça faisait une couture très laide et très fragile aussi. On a fait un live pour savoir s'il y avait des gens qui pouvaient m'aider à régler la tension de la machine ou à régler un truc, et en fait j'ai pas fait un truc qu'il faut faire direct dès qu'on a une couture qui est moche. Il faut le faire direct, c'est juste que là j'y ai pas pensé. En fait il faut désenfiler ses fils et réenfiler et généralement les problèmes se règlent. En tout cas sur ce coup là ça a marché pour moi, et la plupart du temps quand on a une couture LED, il faut faire ça et ça règle le problème. Si jamais vous avez envie de nous voir galérer pendant des lives, venez nous rejoindre sur Instagram. On va parler de choses sérieuses. Ce patron pour moi il n'est pas compliqué. Le seul truc technique de ce patron pour moi c'est la fente indéchirable. Donc il y en a une dans le dos et il y en a une sur chaque manche, donc ça en fait 3 en tout. La fente indéchirable, c'est pas l'ouverture la plus compliquée à faire, c'est un petit peu tricky, mais si on s'entraîne, c'est faisable hein, pour un débutant. Je me considère pas comme autre chose qu'un débutant. Et en plus, je trouve que c'est assez bien expliqué sur le livret du patron. Chose qui est importante, je trouve, à mentionner, parce que des fois, il y a des livrets qui sont un petit peu nuls à chier. et donc, du coup, là, ils disent bien qu'il faut faire la première couture à 2 mm, qu'il faut se concentrer au niveau de la pointe de la fente. Le petit ourlet, enfin, moi, elles sont pas parfaites, hein, mes fentes indéchirables, mais c'était la première fois que j'en faisais des aussi fines. Je trouve qu'elles sont pas moches, quoi, qu'elles sont pas horribles. Enfin, voilà. On n'a pas de vidéo sur comment faire une fente indéchirable. On a utilisé un petit peu la même technique pour faire ça dans la vidéo du col polo. Bon, c'est beaucoup plus large donc c'est carrément plus facile. Si jamais vous avez jamais fait de fente indéchirable, entraînez-vous, c'est vraiment pas la mer à boire. Ensuite je voudrais parler du col. Alors le col, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué au niveau de l'assemblage. Il est très très bien fait. Nous on a choisi le col en V, donc soit il n'y a pas de col en V, soit il y a un col en V plus le petit col roulé là. Je trouve qu'il est très très bien expliqué et que bon, c'est pas aussi difficile qu'un col de chemise parce qu'il est attaché au vêtement que sur l'arrière, du coup il n'y a pas beaucoup de chances de se tromper à ce niveau-là. Le seul truc, c'est qu'il conseille de mesurer le tour de cou pour que ce soit bien ajusté. Chose que je n'ai absolument pas faite parce que je me suis dit que tout le monde avait le même tour de cou. Et en fait, une fois qu'on a fait l'essayage avec Maud, je me suis rendu compte que le col était bien trop lâche pour son cou. Et du coup, j'ai dû découdre et recoudre alors qu'ils avaient dit dans le livret qu'il fallait mesurer. Et du coup, ça m'a rajouté des étapes. Donc si jamais vous réalisez ce patron Prague,
mesurez votre cou pour que ce soit bien ajusté et avant de l'assembler au vêtement. Deuxième truc un petit peu technique, c'est l'embu au niveau des manches. Donc l'embu, c'est en gros quand il y a un petit peu plus de tissu sur la manche qu'au niveau de l'épaule, et du coup voilà, il faut faire un fil de France, froncer le tissu à ce niveau là pour répartir l'embu au niveau de l'épaule, et c'est pour l'aisance, et il faut faire ça sans faire de pli. Donc c'est un petit peu technique quand on est débutant. C'est la première fois que j'ai cousu une manche avec autant d'embu, et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on y va tout doucement, on fait notre fil de France et on s'applique en mettant plein d'épingles sur l'épaule, et normalement ça devrait couler comme sur des roulettes. Je vous avoue que j'ai fait chaque manche en deux coutures. La première couture, en fait, il y avait un faux pli, il y a eu un faux pli sur chaque manche. Donc voilà, j'ai décousu juste la partie où il y a le faux pli, j'ai repassé sous la machine en faisant attention que ce faux pli ne se recrée pas, et voilà, en deux coups, première manche avec embu, c'était assez facile. Pour finir les manches, il faut froncer le bas des manches pour l'assembler au poignet. Le petit truc à faire attention, c'est sur le poignet, il y a un petit morceau qui dépasse. En fait, il faut pas venir caler le bas de sa manche contre le bas du poignet, hein. Ça, c'est pour que ça se superpose de manière élégante. Et d'ailleurs, il y a la même chose au niveau du col, sauf que là, ça dépasse des deux côtés. J'ai pas parlé des pinces parce que pour moi, c'était pas du tout compliqué. L'ourlet du bas, exactement pareil. Les boutonnières, on les a fait à la machine parce qu'on a une machine qui fait des boutonnières en une étape. Donc il n'y a pas eu de galère sur ce coup là, donc c'est très très bien. Juste pour les manches, moi, des mesures 1m80, le patron il n'est pas conçu pour des femmes de cette taille là, donc j'aurais clairement dû allonger les manches, hein. C'est un poil court pour mode. Je vais vous mesurer, je crois que la stature c'est 1m68, je suis pas sûr de ça, je vérifierai. Voilà, donc en résumé, le patron Prague, pour moi, c'est un patron qui est accessible aux couturiers, couturières intermédiaires, genre premier level, ou alors aux débutants qui ont envie de s'améliorer, d'améliorer leur technique, on va dire. Voilà, je trouve que c'est un patron qui est accessible. Si on n'a jamais cousu de fente indéchirable, c'est un truc qui est facile à apprendre, donc une fois qu'on sait ça, on peut réaliser ce patron. Et en plus, une fois qu'on l'a cousu, en fait, c'est un patron où quand tu le vois, tu te dis waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est ça qu'on recherche. T'en as même pas chié en le faisant. Et ouais, j'en ai pas trop chié en le faisant. Si jamais vous êtes débutant, je pense qu'il vous faudra environ 8 heures de travail. Voilà, un petit peu chaque jour, on prend son temps, on s'applique, et normalement ça devrait aller. C'est une pièce vachement mode, c'est quelque chose qu'on pourrait trouver dans un magasin, super stylé quoi. Pour moi en tout cas, c'est carrément un patron qu'on recommande, et du coup c'est pour ça qu'on a voulu faire un concours autour de ça. Et du coup, à gagner, vous avez un patron PDF de Orageuse. Pour tous ceux qui gagnent pas, vous avez moins 15% avec le code HELLOSUPER de maintenant jusqu'à dimanche minuit sur la boutique Orageuse. Et également, à gagner, il y aura un coupon de votre choix sur Pretty Mercery. Et pour tous ceux qui gagnent pas, vous avez moins 10% sur la boutique en ligne Pretty Mercery de maintenant jusqu'à dimanche soir minuit. On vous mettra tous les détails dans la description. Pour participer, c'est pas du tout compliqué, vous vous rendez sur notre compte Instagram, il y aura une photo dédiée au concours, et vous commentez la photo en taguant deux amis à vous, et bim, vous participez au concours. Il n'y a rien de compliqué. On espère que ce nouveau format test de patron vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez nous laisser en commentaire des idées de patrons que vous avez envie qu'on teste pour vous. Bonne chance pour le concours, et Léa et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Et si j'avais l'air un petit peu dégoûté dans cette vidéo, c'est que c'est la 4e fois qu'on l'enregistre. 3e fois.